Hey. Si tu rencontrais un génie et qu'il te donnait trois vœux, tu choisirais quoi? En 1, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit. Ouais. En 2, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit. Ouais. Et en 3, attends, laisse-moi réfléchir. Que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit, Slim. Maintenant. Ouais, c'est marrant parce que dit comme ça, on a l'impression que ça te saoule que je me coupe les ongles de pied sur ton lit. Non. C'est le deuxième ou le troisième vœu qui t'a mis sur la voie? Ouais. En tout cas, moi, si je rencontrais un génie, je lui demanderais un pote un peu plus tolérant. Ouais, tu veux pas plutôt lui demander des ongles de pied qui poussent moins vite? Aïe! Ah, mais tu me dégoûtes, c'est dans l'œil, ça se fait pas du tout. Tu sais que j'ai lu qu'à New York, il y a 5 meufs pour un mec. Tu te rends compte? Non, tu déconnes. Non, sérieux? 5 meufs pour un mec? Ça marche comment? Bah, je sais pas, je pense que quand t'arrives à la douane, hop, ils te filent des coupons et tu peux disposer de tes meufs. Ouais. Et si tu les utilises pas tous? Bah, je pense que tu peux les réutiliser pour la prochaine fois. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu crois, genre, je peux échanger mes 5 meufs moyennes contre une super bonne, tu sais? Genre un mannequin, mais qui est resté simple et qui aime bien les balades en forêt et voir les films d'horreur? Bah ouais, je pense. Tu sais, les Américains, ils ont pensé à tout. Hein. En fait, je t'imagine, moi, sur la 5ème avenue, avec mes 5 meufs comme ça. Bim! 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 Allez hop! Et moi, avec mon mannequin super bonne, là. Bim! J'aime bien la forêt! J'aime bien aller voir les films d'horreur! Ouais. Ah, j'ai reçu un message de Mélanie. Alors, c'est bon? On l'a invité à la teuf? Non. Et pourquoi? Elle a pas précisé? Non. Ça, c'est chaud quand même. On a même pas une meuf pour deux mecs. C'est la dèche dans l'Ardèche. Salut, attends. Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Tu vas à la soirée de Mathieu, toi? Qu'est-ce que t'as? Tu peux plus parler? Bon, et bah, c'est dommage, je voulais te proposer d'aller prendre un café, toi et moi. Bon. Ok, c'est parti, allons-y. Attends, je rêve là où tu viens d'avaler un énorme glaire dégueulasse. Non, pas du tout. Ah, mais si, c'est ça. Ah, mais ça me dégoûte. Oh, oh, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. Dégueu. Oh. Oh. Non, mais Jenna, attends! Eh ben dis donc, ça y va là. C'est quoi tout ça? Alors, anti-rides, bien, hydratant, auto-bronzant, éclat, contraste. Oh, dis donc, c'est Photoshop ou quoi? Bah écoute, le jour où on croira que t'es mon père, tu rigoleras moins. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Xylofactum, oligocyte, cococaprilate. C'est quoi tout ça? Ben, c'est pour la peau. Oui, d'accord, mais ça vient d'où exactement? Ce serait bien de le savoir. Ben, c'est naturel, ils disent. Ah oui? Oui. Et du moment que c'est naturel, toi, ça te dérange pas de claquer 2000 balles pour tremper ton nez dans du caca de baleine aux endives, si ça se trouve? Ben, dis donc. Moi, je vais te dire ce qui est naturel, tu vois. C'est ça. 100% authentique, bio, sain, sans artifice. Regardez droit dans les yeux le temps qui passe. Et voilà mon secret de beauté. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour parler de la petite Ève. Tout se passe bien en classe, mais elle a visiblement du mal à poursuivre le travail à la maison. Je crois qu'il serait bien pour l'enfant d'intégrer les devoirs à la vie de famille, en faire pourquoi pas une activité commune, ludique. Ah mais c'est ce qu'on fait, hein. On l'aide. Ah oui, on l'a même aidé à étudier le Roi Soleil, la Révolution. Mai 68, d'ailleurs son grand-père l'a fait, alors pensez, on connaît. Hein. Non, non, d'après moi, c'est la cour le problème. Hein. Déjà, on lui pique sa trousse sans arrêt. Bon, c'est pas le problème, on en rachète, mais ça va faire neuf. Bah ça peut faire neuf, à ce prix-là. Non, neuf.
avec celle-là, de trousse. Ça fera neuf. Oui, enfin, sauf que pour des trousses, on dit neuf. Oui, mais pas pour le chiffre. Le chiffre, c'est neuf. Bah, forcément, chiffre, c'est masculin. Sinon, tu dirais une chiffre. Ça se conjugue, les chiffres? Oui. Donc, c'est ce que je disais. Essayez de la laisser faire ses devoirs toute seule. Ah bon? Bon. D'accord. Merci. Je comprends pas, elle est en retard, ta mère, là. Ah oui. Elle m'avait dit de vous prévenir. Bah, t'attendais quoi pour me le dire? Bah, il attendait que l'information lui remonte au cerveau. D'accord. Et elle sera en retard de combien de temps? Oula, ça peut prendre plusieurs jours. Hein. Bah, elle m'a dit que vous deviez l'appeler sur son nouveau numéro, puisqu'elle a perdu son portable. D'accord. Et tu l'as noté? Bah oui. Oui, évidemment. Je l'ai noté sur la boîte de céréales ce matin. D'accord. Je suppose que t'as pas pris la boîte avec toi? Ah non. Non, on a des sacs déjà assez lourds. Ah ouais. Ah! Alors, hein? Toi qui te plains tout le temps, tu vois que c'est pas si mal ce que t'as à la maison en fin de compte, hein? Relativise! Ouais, là j'avoue. C'est pas parce que t'es dos qu'on te voit pas, mec, hein. Tu devrais faire ça dans ta chambre, hein. Arrête, Slim, n'importe quoi. C'est juste qu'il y a un blaireau qui a écrit blaireau à côté de mon nom. Hein? Ah ouais, c'est moche, hein. Ah ouais. Oh, putain. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis un cœur à côté de mon nom. Il y a quelqu'un qui est amoureux de moi. Il y a quelqu'un qui me kiffe. Père, tiens, père. Tu parles de terre, de père, tiens. Mais... C'est pas un cœur à côté de ton nom, c'est un sgeg. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais c'est quand même un peu de l'amour. T'es jaloux? Blaireau? Ouais, et il faut plus de pizza le midi à la cantine, hein, avec beaucoup de champignons. Ouais, et ce serait bien de mettre à chaque repas des friands à la saucisse aussi, ouais. Mais on s'en fout des normes nationales, c'est moi le nouveau directeur. D'ailleurs, on en est où du jacuzzi en salle des profs, là? Ouais, ben vous avez 3 jours ou vous êtes viré. Bon, Vergniaud, vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Non, c'est pas ça. Vous êtes trop molle dans la cour, c'est plus possible, hein. Il y a des lycéens qui vous ont même vu dormir au self. Bon, je suis désolé, mais il va falloir que je vous vire à la fin du mois. Croyez-moi, ça me fait pas plaisir. Enfin, si, un peu. Oh, c'est abusé, monsieur Patrick, je dormais pas. Je réfléchissais. Foutez pas de moi, Vergniaud! Si vous réfléchissez, ça serait, non? Hein? Bon, allez, ça fait 1 heure, c'est terminé. Déjà? Les bonnes choses ont une fin. Vous vous sentez mieux? Fini la dépression? Non, c'est vrai, ça m'a fait du bien de me mettre un peu à votre place. Uh-huh. Même 1 heure, hein, mais... Non, je vous comprends mieux. C'est vrai que je m'agacerai aussi. Ouais, je vous le fais pas dire. Et je dois avouer que, parfois c'est vrai, je suis un peu rude avec vous. Allez, chacun à sa place et avec respect. Merci, madame Vergniaud. Je me sens déjà mieux. Maintenant, allez laver les toilettes. Il y a une épidémie de gastro chez les 6e. Les femmes de ménage sont débordées. Avec mon respect, évidemment. Évidemment. Mourir. Chérie, faut te lever, là, on t'attend pour manger, il est 13h passé. Ah non, mais attendez pas, mam, ça allez-y, mangez sans moi. Je grignoterai un truc quand je me réveillerai. Bon, bah comme tu veux. Bon, chérie, il est 4h30, là, maintenant, faut se lever, ça fait tard. Hein. Je t'ai gardé une part de tarte pour le goûter. Ça marche, j'arrive tout de suite, mam. 5 minutes, le temps de me réveiller, quoi. Ouais, bah 5 minutes, alors, hein. Je me débarbouille et j'arrive. Ouais. Putain, mais t'es malade ou quoi?
Il est presque 20h là, tu vas pas dormir tout le week-end? Hein, je sais que les jeunes ont besoin de sommeil, mais enfin ça va, faut pas exagérer. T'es pas en hibernation non plus. Il te reste une heure pour faire tes devoirs. Mais t'es complètement malade. Regarde, j'ai un rhume à cause de toi, je vais pas pouvoir aller à l'école pendant 9 semaines à cause de tes bêtises. Tu t'es cru à quelle époque? À l'époque du Moyen-Âge, Mams? À l'époque de Louis de Maupassant, c'est ça? Alors tu te sèches, tu t'habilles, tu viens dîner. Tu me fais un mot, je m'en fous, tu me fais un mot. Vas-y, dégage, là. Mais j'étais là avant. Bon, vas-y, get out. Et la galanterie, ça t'effleure, Cro-Magnon? On parle pas comme ça aux princesses. Bon, tu te dégages tout de suite, là, sinon... Sinon quoi? Sinon ça. Ah! Ok. Oh my God! Faut pas embêter les princesses. Ah ouais, quand même. Qui c'est qui va retirer son petit pyjama? Pas vous, j'espère. C'est un coup à me donner la germe. Qu'est-ce que vous faites là? Une partie de jokari. D'après vous, Michel, j'essaie de dormir. Dans mon lit. C'est aussi celui de ma fille. Bon, allez, vous sortez de mon lit, là, tout de suite, allez, hop. Mais je peux pas, je suis toute nue. Je vous rappelle que votre lit, c'est le cliquet dans le bureau, Gisèle. Justement, c'est pas une façon de traiter sa belle-mère. C'est ce que je disais à ma fille, du coup elle est partie dans le bureau tester de clic-clac. Vous allez pas la laisser dormir toute seule. Je vous fais une petite place. Oh, vous avez de la chance, Gisèle, ça tiendrait qu'à moi, je vous ferai dormir dans la baignoire de la salle de bain, moi. Moi aussi, je vous aime, Michel. Bonne nuit. Vous allez voir comme il est pourri, votre clic-clac. Qu'est-ce que vous foutez là? Mon courrier. J'ai un paquet de factures. Moi, j'étais persuadé que c'est le proprio qui payait tout ça. Vous saviez, par exemple, que l'eau, c'était payant? Bah oui, immédiatement dans mon bureau. Oui, mais justement, je pensais que comme j'ai pas de bureau, on pourrait partager le vôtre. Parfois, hein. Ou jamais. Les nuggets? Mon petit Patrick, ce que je voudrais, c'est vous virer. Mais vous êtes sous contrat. Et j'ai personne à embaucher. C'est vrai. Du coup, j'ai pensé qu'on pourrait repeindre ce côté en fuchsia. On partage le bureau en deux, je m'installe là. Dehors! Dommage, vous perdez un bon camarade, hein. Mais c'est qui Ornicard en vrai? Hein? Ah, comme les rois mages! Putain! Mais alors c'est qui Ornicard du coup? C'est quoi? C'est un gâteau aphrodisiaque. J'ai trouvé la recette sur internet. Et alors? Bah alors je vais le donner à Jenna, elle va le manger devant moi et bim, elle va tomber direct in sex. Oh yeah, come on, give it to me. Oh yeah, baby. Come on, regarde. Ah, t'as pensé à moi? Non, c'est pas du tout bon.
Vous n'avez rien mangé depuis que vous souquez d'hier matin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, mais il faut que j'y aille, moi. Reste là, tu l'as empoisonné ce gâteau ou quoi? Non, mais là j'ai un truc à faire, c'est pour ça, faut que je m'en aille. Mais caché tes talons de pâtissier, petit coquin. Viens. Y'a pas bien là, tous les trois? Ça sonne là, non? J'entends rien, moi. Dring, si. Allez, salut. Mais reste là, les timides. Oh! Faudra m'en refaire, les beaux gosses, hein? Ah, Tristan, faut que je te parle. Oh! Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu serais pas en train d'éviter ta tati, toi? Toi, tu vas me faire croire que t'es pas en train de te cacher dans les toilettes et je te signale que c'est ta tati. Non, celle de ta mère, donc c'est ta grand-tante. Et là, je me cache pas, je me restaure. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a une réunion spéciale ou quoi? Cacahuète? Ouais, j'ai des curlus aussi. Attends, t'as laissé tati toute seule là? Bah, ça va, c'est bon, c'est pas ma tati. Hein. Puis en plus, elle est en train de discuter avec Ludo là, ça parle de hanches en plastique et de plus belle la vie. Les mecs, vous êtes partis? Y'a tati Jocelyne qui s'est coincé un truc dans la gorge là. C'est vraiment un mec sympa ce Ludo. Ouais, c'est un bon copain quoi. Vite, elle s'étouffe avec une pistache! Quoi? Y'a des pistaches? Ok, je vais les chercher. Mais c'est quoi qui tourne pas rond dans ta tête? Je t'ai pas élevé comme ça, moi. Bah si. Un peu, puisque je suis ton fils. Non. Quand tu fais ce genre de choses, là, t'es pas mon fils. Ah, madame El Boulgui. Comment allez-vous? Vous êtes là pour votre fils et ses mains au cul, aux fesses? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je vous assure, à la maison, il est pas comme ça. Hein. Non, mais ça, c'est les jeunes, ça. Dès qu'ils sont en bande, là, ils n'ont plus aucune notion de respect. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Puis je peux vous dire qu'elles étaient moches, les filles, avec... Bref, elles sont pas aussi séduisantes que vous, je voulais dire. Oh, pardon. Je vous en prie. Attends, excuse-moi, Patrick. Depuis quand tu me tutoies, toi? Je te tutoie depuis que tu dragues ma mère. Pardon? Non, mais calmez-vous. Puis en plus, vous êtes pas son genre. D'accord. Écoute, Slipman, tu vas nous laisser parler entre adultes et tu te tais. Ah ouais? Ok. Regarde. Non, mais ça va pas bien dans votre tête? Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Espèce de malade, je vais en parler au proviseur, moi. Non, mais... Allô? Non, excuse-moi, c'est le pion de mon fils, là. Il m'a mis les mains aux fesses, espèce de malade en jogging, là. Jogging. Bah ouais, bah oui, c'est comme les crèmes de nuit. Oui, moi j'en ai deux ou trois modèles différents et puis j'alterne selon les saisons. Par rapport à l'humidité et tout ça. Ouais. Ah bah attends, c'est bien connu, hein. Je veux dire, la peau est plus grasse en été, plus sèche en hiver. Non, celle-là, je te déconseille. Bah non, trop cheap, pas assez efficace. Non, toi, ce qu'il te faut, en fait, c'est de la épidermique indistrante. Ah ouais, non, elle est un peu chère, mais par contre, attends, ça vaut le détour, hein, c'est du super matos. Hein? Non, là, je suis en train de tester le masque aux algues japonaises, là, que tu m'as passé. Oh, attends, mais c'est super agréable pour le visage, hein. Par contre, elles sont un peu, là... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ça va, là, maintenant. Bon, attends, je te laisse parce qu'il y a Michel qui bougonne, là. T'as raison, une petite vieille. Ouais, allez, bisous, chérie, à demain, ciao. Non, mais dis donc, t'es lourd, là, je peux même plus discuter avec Malika. Ça va, et ça fait 37 minutes là que vous parlez de produits de beauté, ça commence à bien faire. Attends, excuse-moi, c'est un petit peu aussi mon métier de parler des produits de beauté, je veux dire, c'est important. Hein. Attends, mais tu la vois pas demain, Malika? Vous avez pas piscine ensemble? Ah bah oui. D'ailleurs, on avait dit quelle heure, 9h ou 10h? Je la rappelle. Non, je rêve. Dame Vergniaud, ça va? Vous m'avez appelé? Parce que je suis coincée. Qu'est-ce que je fais sur ma tête? Vous m'aidiez. J'ai rien compris là, pardon quoi? Qu'est-ce que vous dites, madame Vergniaud? Décroissez-moi, Patrick, je suis bloqué! Ça me rappelle un film très drôle où il y avait le mec qui était. Arrête! Tirez-le! Prêt? Tirez-le fort! Ah, mais... Tirez-le fort! Ok, je crois que c'est foutu. Ne
tirez. Non, non, c'est foutu. Qu'est-ce que je fais? Non, mais j'adorais vous aider, mais il est déjà 17h45. Vous savez, moi, ça me dérange un peu de mélanger le professionnel, le privé. Patrick, vous vous foutez de moi? Oh non, j'oserais pas, ça, madame Bernou. Oh, Patrick! À demain. Oh! Non, Patrick! Si, si. Patrick! Patrick! Vache, le prix du baril a battu un nouveau record. Il va y avoir une augmentation du prix à la pompe et une baisse de pouvoir d'achat pour les ménages. Ça va créer des tensions diplomatiques dans les pays producteurs de pétrole. Oh non. Quoi? Putain, il y a le bouffon vert qui a découvert la vraie identité de Peter Parker, quoi. Ça craint. Allez hop, tout le bam. Tiens. Tiens, fiston. Ton devoir de maths. Je te fais assez de reproches quand tu ramènes les mauvaises notes, alors je peux te récompenser quand ça se passe bien. Merci beaucoup, Paps. C'est normal. Attends, mais combien t'as filé, là? Bah, 30 euros. Pour le devoir de maths? Bah ouais. Attends, mais c'est de l'arnaque? Bah pourquoi? J'ai eu 18, quand même. Sauf que moi, tu m'as payé 10 euros pour le faire. Mais je sais. Mais t'étais d'accord, non? Business is business, bitch. Allez, on joue. Et pour le devoir d'histoire sur Cuba? 20 euros. Mais t'avais eu que 14. Business is business, bitch. On joue ou pas, là? Oui. Bah non, tu joues pas. Pareil, 10 euros que je la gagne, cette partie. Attends, ou alors, ouais. Alors, regarde. On met ton bureau, là, à côté de la fenêtre. Mm-hmm. Du coup, ça libère tout ce mur pour mettre les étagères avec mes dossiers. Mais attends, mais t'as raison, et en plus, sans le lit au milieu, ben, on peut limite mettre un vélo d'appartement. Attends, chérie, là, si on commence à entasser, on s'en sort plus. Ouais, d'autant qu'il faut laisser la place pour déplier le clic-clac si jamais. Ouais. Yo, ça va, Pape, ça va, Mams? Mm-hmm. Yeah. Et aujourd'hui, j'ai entendu une blague de malade. Vous connaissez la blague de l'aveugle et du chien d'aveugle? Non. Bah, c'est l'histoire d'un chien d'aveugle et d'un aveugle. Il marche dans la rue. Et là, il se. Attends, c'est quoi déjà? Un aveugle, un chien d'aveugle, ça je vous ai dit. Ils sont. Je m'en rappelle plus, laissez tomber. Attends, il y avait l'aveugle, ça c'est sûr. Le chien d'aveugle, il était là maintenant. Oui, donc. Si. Ouais, en même temps, on n'est pas sûr qu'il ait son bac. Hein. Si ça se trouve, l'année prochaine, il sera toujours là. Et puis, sa chambre sera toujours sa chambre. Ouais. Ou alors, on vire Eve. En pension. Alors, en plus, sa chambre est plus grande, ça tombe bien. Bien sûr. Alors, le bureau, là. Ouais. Ludo? Non, rien. Ludo? Quoi? Non, rien. Les gars, vous avez un truc à me dire et vous osez pas me le dire, c'est ça? Bah, non, pourquoi? Ludo? Quoi? Non, rien, laisse tomber. Non, mais allez, là, dites-moi! Non, mais vas-y, fais pas le bâtard, dis-lui. Bah, lui dire quoi? Non, rien. Vous faites chier, hein. Vous savez quoi, quand ça vous reviendra, eh ben vous m'appelez pas. Ah, ça marche toujours, mon gars. Le mec, il croit trop qu'on a un truc à lui dire et qu'on veut pas lui dire, alors qu'en fait, on a rien à lui dire. C'est clair. Ça marche à chaque fois. C'est comme la dernière fois, là, quand il avait dit le truc sur toi, là. C'était quoi déjà?
Hein? Non, rien. Tu devrais éteindre, Michel, hein, c'est dangereux pendant un orage. Mais non. Mais si, enfin, si c'est comme de téléphoner, c'est dangereux pendant un orage. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ta mère. C'est une blague? Oh, ça va, si on peut plus rigoler... Oh, ouais. Non, je te préviens, tu réponds pas. Hein. Bonjour, vous êtes bien chez les... Fontella. Laissez un message après le bip. Bonsoir les enfants, c'est mamie. Est-ce que Michel pourrait me rappeler sur mon portable? Mais avec votre téléphone fixe. Je vous entends mal sinon. Merci. Faites vite, c'est urgent. Ta mère est un monstre. T'as peur de l'orage aussi? Adam, je la console. Non mais je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, Jenna, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a embêté? T'as raté ton bac blanc? Je sais pas, dis-moi ce qui se passe, ma beauté. Mais c'est bon là, arrête de parler comme à une débile mentale. Je me suis fait larguer par mon mec. C'est bon, ça va, t'es content? Mais grave. Pardon? Non, je dis, c'est grave, c'est très grave. Quelle gravitude. Je vais aller te chercher des Kleenex. C'est bon, déstressé. On l'a fait. Oh, j'ai trop flippé que ma mère se réveille. J'avais oublié que le volet de ma chambre, il grinçait. Bah toi aussi, t'es passé par la fenêtre. Ça, tu t'es pas trop explosé? Mais non, je suis au rez-de-chaussée. Oh putain, la chance. Moi, j'ai défoncé le rosier de ma mère, quoi. Mais c'est pas grave, c'est bon, on s'en fout. On y est arrivé, putain, on l'a fait. On est libre. Prison break. Ah, oh, c'est énorme. Bon, on fait quoi maintenant? Je sais pas. Vous avez pris des trucs à manger? Je suis crevé en fait. En plus, ça commence à cailler, là, je crois que je vais rentrer. Ouais, moi aussi. Comment vous allez faire? Ça va pas être trop galère de remonter le mur? Non, j'ai pris les clés. Pas toi? Bah non. Ah, c'est con ça. Tiens, t'as qu'à prendre mon écharpe. Hein, comme ça, ça te tiendra chaud. Bonne chance, Lim, et bonne nuit. Bonne nuit. Dur. Facile, du pchoute au citron. Bingo! On est toujours à 100% de réussite. Excellent. Allez, tiens, essaye de trouver ça. Bah, c'est facile, c'est de l'eau. Et non, bah, y a pas un petit goût derrière? Bah non, je vois pas. Enfin, à part le petit goût de chlore... Y a pas comme un petit goût de laxatif? Putain, je vais te tuer. Oh my god. Te jure que quand j'en aurai fini avec tout ça, je vais te tuer. Oh my god. Ah, humour total. Tiens, je t'avais dit que ça marcherait. Il est trop naïf, ce mec. Non, Slim, bois pas dans ce verre. Pour la dernière fois, est-ce que c'est vous qui avez mis cette chose dans le grand bassin pour annuler le cours de piscine? Pour la dernière fois, non, ce n'est pas moi. Vous êtes sûr? Mais oui, je suis sûr. En plus, vous avez vu comment il est trop moche, ce slip. Dame Vernieu, je vous... Oh, vous avez retrouvé mon slip.
Pardon. C'est mon slip. Je le cherche depuis ce matin. En fait, je l'avais mis à laver dans le grand bassin de la piscine, mais quelqu'un me l'a volé. Attends dehors, j'ai un petit point hygiène à faire avec Patrick. Oui, je sais. Le chlore, c'est pas très bon pour le coton. Mais entre nous, c'est pas vraiment du coton. C'est du synthétique. Par contre, je le récupérerai bien parce que c'est mon seul. Ça suffit. Patrick dehors. Oui, tout à fait. Genre. Ça suffit. Par contre, c'est vraiment mon seul. Je peux savoir pourquoi tu me fixes là comme ça depuis tout à l'heure? C'est chelou, mais je trouve que t'as mochi ces derniers temps. Quoi? T'es malade toi, t'as vu ta tronche? Non, non, mais attends, je suis hyper sérieux. Hein. Enfin, je sais pas, tu trouves pas, Ludo? Je trouve que t'as grave mochi ces deux derniers mois là. Tu sais, ton nez il est plus long, t'as les oreilles plus longues aussi, t'as les yeux, tu sais, un peu vitreux dégueulasses, et t'as la peau grasse. Non, je te jure, va voir dans le miroir de la salle de bain si tu veux. Pas qu'il est mochi, moi. Enfin, pas plus. Non, moi non plus, c'était juste pour qu'il lâche la manette. Ah, pas mal. On en a bien pour une heure, là. Il va pas tarder à appeler les secours. Mams ! Il est où, ton anti-cerne ? Ah oui, non, 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 vraiment, c'était génial, cette réunion des anciens élèves. Oui, oui, oui. Ah, super idée, tu parles. Ah, moi, je me suis marré. Bernard ! Oh, bah, écoute... Il n'a pas changé. Toujours aussi maigrichon. Et Mylène, oh bah tu penses. Mylène, hey, tu lui mets un cartable sur le dos et les pattes d'eff, elle retourne direct au lycée. Elle. Et puis, toi non plus, tu n'as pas changé. Hein. Toujours beau gosse, j'ai envie de dire. Moi, ouais, j'ai arrêté le sport, oui. Non, mais je m'étais blessé au rugby, tu sais. Ouais, je travaille dans un bureau, oui. Ouais, assis toute la journée, ouais. Bon, écoute, là, je dois te laisser, là, parce que je suis avec mon épouse. Voilà, c'est ça, ouais. Ciao, salut. Quel enfoiré, alors. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'avais changé. Non, mais tu vois, normalement, quand tu retrouves quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, tu lui dis « Oh, t'as pas changé hein, !» C'est une formule de politesse, et normalement, la personne en face te renvoie le compliment. Et là, il me dit que je... Quel connard, je te jure, là. Enfin, en même temps, mon chéri, c'est vrai que toi, t'as pas mal changé depuis le lycée. Vous avez demandé, madame Bergnon ? Je voulais vous demander quelque chose de la plus haute importance, mon petit Patrick. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous me trouvez moche ? Répondez-moi franchement, soyez honnête. Prenez pas de gants. J'ai surpris des élèves en train de parler de moi. Je dois en avoir le cœur net. Oh, mais si je lui dis la vérité qu'elle est moche, elle va me virer. D'un côté, si je lui dis qu'elle est pas moche, elle va capter que je me fous de sa gueule parce qu'en vrai, elle est moche. Elle va me virer quand même. Merde, je suis foutu. Bon, faut que je trouve un truc. Ok. Patrick, vous faites semblant ou vous voulez que j'appelle une ambulance ? Ambulance. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ça se voit, non ? Mais il est là, non ? Non, non, non. Je l'ai ramené chez lui hier, il était cramé. Oh là là, la soirée de dingue qu'on s'est tapé, mais c'était un truc de ouf. On est rentré, on était des déchets, quoi.
Sa mère, elle a dû être dingue. Tu la connais, hein? Eh, tu pourras me faire un bol de choco crocs pendant que je me douche, s'il te plaît, non? Michel! C'est qui, Michel? Ton nouveau mec? Michel. Michel, tu ronfles. Hein? Ah, mais non. Ouais, si, tu ronfles. Ou alors, il y a des animaux qui sont rentrés, mais enfin, je vois pas comment. Ah, c'est parce que je suis enrhumé, je vais avoir le nez bouché. Bien sûr, ouais. Écoute, en tout cas, ça va pas être possible. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? Bah, je sais pas, tu voudrais pas attendre que je m'endorme la première? S'il te plaît. Oh, d'accord. Merci, mon amour. Bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Ouais, je me fais tout le temps avoir, moi. La bête. Vous m'avez appelé ? En effet, j'ai une petite question intime à vous poser. On se connaît maintenant, mais j'aimerais que ça reste entre nous. Je dirai rien, je vous écoute. C'est un peu gênant, hein? Bon, je me lance. Je me suis fait un masque de beauté hier soir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben... remettez-le. Autre chose? Sortez. D'une connerie ou quoi? Moi. J'avais dit pas deux soirs de suite. Mais c'est pas juste, les parents de Mallory, ils allaient sortir jusqu'à 1h du matin, le vendredi et le samedi. Eh ben on est très contents pour elle. En plus sa mère, elle lui achète des super fringues de marque et elle l'emmène chez l'esthéticienne. Ouah, la chance. Ça a l'air tellement mieux chez eux, hein, Mimiche? Ouais, super, tellement trop mieux. Ouais, c'est ça, rigoler. N'empêche que son père, il fait super jeune et il ressemble à David Beckham, mais en mieux. La chance. Non, la Michelle, c'est vrai, en fait, on dirait David Beckham. Hey. Tu dors? Oh. Tu dors? Oh. Putain, Slim, qu'est-ce que tu veux, là? J'ai l'impression que tu parles plus de tes trucs intimes à Ludo. Hein? Tu lui dis plus de trucs sur toi. Tu le préfères, c'est ça? C'est ton chouchou? Tu dis n'importe quoi, Slim. Toi aussi, je te dis plein de trucs. Ok, cool, ça me rassure. J'aime pas garder les trucs sur le cœur, après ça me fait des nœuds et ça m'empêche de dormir. T'inquiète, mec, je comprends. Moi aussi, parfois, j'ai des angoisses et des nœuds qui m'empêchent de dormir. D'ailleurs, dernièrement, j'ai remarqué que toi et Ludo, vous êtes un... Si. Wow. Pff, chacal. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour faire un petit point sur les absences à répétition de Slimane. Tout à fait. Et tout d'abord, toutes mes condoléances, Madame El Bougli.
enterré dans la même semaine sa grand-tante, son labrador et son papy. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est la dure loi des séries, n'est-ce pas? Pardon. Non, rien. C'est ça. Tenez, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous conseille de reprendre les rênes rapidement avant qu'il ne décime toute la famille. Et tu comptais m'enterrer quand, moi, Slimane? Jamais, attends, pas toi, pas ma petite maman chérie. Vous voyez qu'il a bon fond, quand même. Je demande à voir si vous survivrez au bac, Madame Abougli. Belle journée qui commence. Vu ? Quoi ? Ah oh bah non, dans cette latriche, quand tu te regardes, tu fais comme ça, là. Pourquoi alors ? Oh bah non, c'est trop facile, hein. Ne me dis pas que tu vas passer la journée à recevoir les gens comme ça. Oh bonjour, monsieur le directeur, bonjour, bonjour. Ah bah non. Mais pourquoi ? Bah tu tiendras jamais. Non, 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 si tu veux te regarder, alors tu te regardes vraiment. Alors déjà, tu vas commencer par tout relâcher. Là, là, ici, le bide, là, voilà. Tu baisses les épaules, comme ça, et tu vas faire des bons sourires intelligents. Voilà, avec toutes tes joues. Oui, oui, voilà les quatre. Eh ben voilà, ça c'est mon mimiche. Allez, il est où? Ah ben c'est ça. Quelle journée de merde. Oh non, c'est moi qui suis le plus près, d'accord? Je suis prioritaire. Paps, demain matin j'ai un contrôle de maths qui compte pour le bac. Mais chut, déjà que les ronflements c'est lourd, si vous commencez à gueuler en plus je deviens folle moi. Mais on gueule pas, on négocie. Écoute, ma chérie, ce sont les derniers bouchons anti-bruit de la maison. D'après toi, ils reviennent à qui? À moi. Non, à moi. Non, à moi. Écoute, t'es pénible, hein. Voilà, maintenant, on dort. Là, ça va trop loin. C'est inadmissible. Alors, Slimane n'accroche pas à l'histoire, d'accord. Mais même s'il a mal répondu aux questions, il peut pas avoir moins d'eux. Ah si, je vous assure, j'ai vérifié. Non, 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 moins deux, ça n'existe pas. C'est pas une note, moins deux. Là, c'est du harcèlement. Vous voulez recompter avec moi? Oui, avec plaisir, oui, oui. Allons-y. Rendre copie blanche, ça vaut combien? Ça, d'accord, c'est zéro. Ok, je vous l'accorde. Et vendredi, avec un T. Ici, la date. Oui, quand même. Je vous le fais pas dire, alors je lui mets combien? Moins deux, c'est honnête. Bonne journée, Madame El Bougli. Journée, Madame Vergnon. Moi, je vais aller me coucher. Salut, Paps. Salut, Mams. Oh, mais non, il n'y a pas école demain. Reste un petit peu avec nous. Hein, viens faire un câlin, maman. Viens. Oh, écoute, Babette, t'exagères pas un petit peu, là. Écoute, les enfants sont partis deux jours à la campagne chez ma sœur. T'as vu le cinéma que tu nous fais, là? Mais il manque. Ève! Oui, Moumoune? J'étais dans ma chambre, je me faisais des nattes. Mais viens dans mes bras, mon petit poussin. Oh, puis si tu veux, ce soir, tu pourras dormir dans le lit de papa et maman, comme quand t'étais petite. Non, non, c'était pas prévu dans le prix, ça. Hein. On avait dit jusqu'à 23 heures seulement. Moi, je veux une rallonge de 10 euros pour aller dans le lit. Moi, je veux bien dormir avec toi, Mam, si tu veux. Puis je peux même te filer 10 euros. C'est gentil. Bon, allez. Bon, les deux rigolos, là, c'est terminé. Hop, vous rentrez chez vous, je vais plus vous voir. Allez, hop. Allez, dégagez. Hop. Et toi, Babette, tu files dans la chambre. Et je vais te rappeler ce qu'on faisait le samedi soir quand on n'avait pas encore d'enfant. Allez.
Monge! Monge! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que tu t'étouffais. Quoi? Mais regarde, là! Mais quoi? Quand tu fais ça, je suis le sosie exact de Justin Timberlake! Ah non, là, t'es plutôt le sosie de Nemo. Désolé, mais là, c'est flagrant, regarde ça! Là, c'est moi. Là, c'est Justin. Là, c'est moi. Oh, c'est Justin! Bon, bah, tu diras Justin qui va être en retard au lycée. Bon, allez, Adam, t'as fini ou tu dois encore te faire le maillot, là? Oh mince, dis donc, c'est hallucinant! Allez, comme ça, là! Mais t'es le portrait craché de... De Justin Timberlake, oui! Non, de Jean-Pierre! Jean-Pierre, ton parrain! Vas-y, en fait... Jean-Pierre, ton parrain... Jean-Pierre? Babette? Babette! Babette! Jean-Pierre Timberlake. Alors comme ça, on me dit que vous avez baissé le pantalon... Et le caleçon. Le pantalon et le caleçon de votre camarade Tristan devant toute la classe, alors qu'il était au tableau. Non, mais je l'avais pas remarqué. Qu'il avait plus de caleçon? Non, qu'il était au tableau. Bon, je vous mets 4 heures de colle samedi matin. Quoi, tout ça? Pardon? Enfin, je veux dire, c'est beaucoup quand même. Non, enfin, de 2 heures, de 10 à 12, c'est parfait. Enfin, ça suffit. Au final, on a vu juste un petit bout de fesse de Tristan. Ça n'a pas le tué non plus, hein. Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick? En fait, j'ai une soirée vendredi soir. Et venir le lendemain à 8 heures, ça m'arrange pas vraiment. Ouais, pareil. Je comprends. Eh bien, vous viendrez dimanche. C'est bon, dimanche? Oui, enfin, disons que je suis pas certain que ce soit légal. Mais bon. Allez. Neuf heures et demie. Appelé Ève après avoir appelé mon débile de frère Adam. C'était pour symboliser l'aspect fondamental de notre existence, n'est-ce pas? C'est une blague. L'aspect fondamental de notre existence. Enfin, pas du tout, ma chérie. C'est parce que j'étais la première femme dans votre vie, alors? Mais rien à voir. Attends, ne me dis pas qu'on t'a jamais dit pourquoi tu t'appelles Ève, sérieux? Bah non, dis-moi. En fait, c'était une blague de ton père. Oh, tu sais comment il est des fois, hein. Il était là, bah, on a qu'à l'appeler Ève, hein. Comme ça, ça fera Adam Ève. Oui, sauf que l'employée à la mairie, elle a pas compris qu'il plaisantait. Et on n'a jamais pu changer. Non, nous, on voulait t'appeler Whitney à la base. Mais bon, Ève, on a fini par s'y faire. Hein. Depuis que je suis toute petite, tout le monde nous dit que nos parents nous ont fait une mauvaise blague. Et en fait, c'est vrai. Je vous déteste. Non, mais oh, mais enfin, chérie, non, mais oh, râle pas, faut pas réagir comme ça. Whitney, reviens. Whitney. Oh, il est long. Ils exagèrent, hein. Ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Non. Alors, l'horoscope de ta mère, c'est quoi? Les trois principaux traits de caractère du Gémeaux. Le tact. Bon, excuse-moi, Michel, mais c'est pas avec des petits déj comme ça que tu vas arranger quelque chose à ton excroissance abdominale, hein. Ok. Ah, pas mal, hein. Pas vrai, ça, falseur, on a con. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le deuxième? Le charme. Ah, il est long. Et troisième? La tolérance. Ève, combien de fois faut que je te dise de remettre les choses à leur place? Hein, ça c'est mon sèche-cheveux. C'est pas vrai, ça fait 12 fois. Oh, on se fait entendre dans cette baraque, c'est dingue ça. Mais ils sont bons. C'est vrai ça. Ah, mais je comprends pas, j'ai rentré mon nom, mon âge, ma taille. Elle veut quoi maintenant? Elle veut savoir si je suis célibataire? Oui, je suis célibataire, c'est pour ça que je me pèse, figure-toi. T'aurais dû en acheter une toute simple, moi je comprends rien du tout. Bon, écoute, là c'est bon, ça me saoule, ça fait une heure qu'on essaie de la faire marcher. Tu veux pas qu'on aille manger un truc plutôt? Moi quand je comprends pas, ça me donne faim. Moi t'as raison, viens on va finir le cheesecake. Ah.
dépassez largement le poids autorisé. Consultez immédiatement un spécialiste, Madame El Bougli. Ah mais c'est super, Michel, t'as réussi à la faire marcher. Mais de rien, c'est un plaisir. Non, mais dis donc, mais tu m'as niqué l'alarme, là. Et comment ça s'arrête, ce truc, là? Ah, c'est bon. Elle est partie, la grosse dame. Oui, oui. Ah, bah non, elle est revenue, en fait. Ça se voit, regarde, j'ai une preuve. Je crois que j'ai la grippe aviaire, je peux pas aller à l'école. Tu sais quoi? T'es la personne que je préfère le plus au monde. Bah moi, pareil. T'es super sympa et en plus, t'as bon goût pour t'habiller. Et toi, t'es super belle. Mais belle, mais de toute beauté, quoi. Elle est tellement belle. Un gros canon, quoi. Ça passe, l'ambiance. Et pourquoi tous ces compliments? C'est leur nouveau truc. En fait, ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent vraiment. Comme ça, ils croient qu'on comprend pas. Ouais, d'accord. Enfin, ça peut nous permettre de passer un repas tranquillement. Moi, ça me va. Ça va, Eve chérie? Tu veux pas trop servir, toi qui es si mince? Non, non, ça va. Merci, mon grand frère chéri, à la chevelure chatoyante que j'adore. Ouais, bon, ça va, vous commencez à être lourd, là. J'en sers quelqu'un? Ouais, moi-même. C'est super bon, vraiment, je me régale. Non, mais dis donc, tu veux une gifle? Tu sais combien de temps j'ai passé à cuisiner? Hein, alors, avant de critiquer et de dire que c'est dégueulasse, on se renseigne. Pas vrai, ça. Ah non, non, mais je trouvais ça vraiment très bon, quoi. C'était pour de vrai. Tu pourrais frapper, je sais pas, je suis une femme, hein. Je vais pas te déflorer de tous mes secrets de beauté quand mais même. T'as pas besoin de petits secrets, toi. Oui, c'est ça, ouais. Ah, t'es parfaite, mon petit chaton. Ouais. T'es la plus belle. Aïe, ouh, ouh, ouh. Ah, oh la vache, oh la torture. Ça marche, moi, ce truc. Ouais, moyen quand même, hein. Ou alors plus forte. Que je m'emmerde le dimanche. Voilà, l'Australie, ça c'est bien. Ah ouais, les crocodiles, les requins, merci quoi. Là-bas, il y a plus de dents que de mer. Et attends, c'est pas des dents de maison de retraite. Ah non, 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 c'est des rasoirs multilames. La première t'arrache le bras et la seconde l'empêche de repousser. Ouais. Tiens, Amérique du Sud, ça fait rêver. Mm-hmm.
Sauf que c'est 10 heures de vol. Sur 8 jours, t'en passes déjà 2 clouées sur un siège pour enfants, à sentir les pieds des gens que tu connais pas et surtout à manger du carton. Bon bah faut aller plus près alors. Tiens, l'Italie, c'est sympa. Ouais, sauf que là-bas, c'est pas 10 heures de vol, c'est carrément 8 jours de vol. T'éternues, ils t'ont déjà piqué ton sac, ta bagnole et ta montre. Et, estime-toi heureux si te laisse ta femme, hein. Bah, et l'Espagne, c'est pas mal, l'Espagne, il fait toujours beau. Mais arrête, tu supportes pas la chaleur. La dernière fois, t'as chopé des cloques en plein mois d'avril, mon pauvre ami, attends. Ok, Babette, j'ai compris. Je te le dis, hein, tu peux toujours chercher. Y a pas mieux que la maison de Tata Jacqueline à Paimpol. Puis surtout, on peut emmener maman. Bien, ce qui me fait peur. En tout cas, c'est toi qui l'annonce aux enfants, hein. Que toi. Toute la famille réunie. Babette, je vais te demander un truc. Ouais. Dis-moi, chérie, est-ce que t'as déjà simulé? Enfin, non, jamais. Enfin, pas avec toi. Pourquoi tu demandes ça? Non, je sais pas. C'est un truc que je me demandais ce matin et voilà, c'est bon. Hop. Et toi, t'as déjà simulé? En chambre, tu veux dire? Bah oui, en chambre, pas aux toilettes. En chambre, non, jamais. En cuisine, oui. En cuisine? Ça veut dire quoi, simuler en cuisine? J'ai jamais été fan de ta blanquette et j'ai toujours simulé quand tu nous as fait de la blanquette. Tu sais, à table, quand je fais « Oh, chérie, vraiment, je me régale avec ta blanquette. J'adore ta blanquette, chérie. » Ben là, je la simule. Voilà. Bonne journée. Ça fait 20 ans que je fais de la blanquette. Ah, enfin, ma chérie. Bonsoir, mon trésor. Ah oui, c'est vrai qu'elle est là, celle-là. Ah, quel bonheur d'être enfin tous ensemble à la fraîche. Ah. Entre couilles. Vous m'avez manqué, Michel. Ça, vous allez recevoir. Une bonne pizza, de la bonne bibine. C'est chaleureux, c'est familial, c'est tout ce que... Gisèle, chérie. J'ai mis un petit truc dans son apéro. Ah oui, je sais, mais bon, moi, j'étais crevée, j'avais envie de passer une petite soirée tranquille. Oh, ma Babette, t'es un génie. Dis-moi, je peux t'épouser une deuxième fois? Après les quatre fromages, alors? Ok, viens là. Allez. Mais poussez-vous, Gisèle. Ah. Voilà, chérie. On est bien. Oh, je t'aime. Ah oui, mais le paquet quand même. Alors, Bon Babette, c'est quoi cette merveille que tu nous as préparée? Une blanquette. Ah bah attends, excuse-moi, hein, étant donné les nombreuses remarques désobligeantes envers ma blanquette, je l'ai revisitée. Ah oui, mais là, j'ai pas... Voilà. Oh, dis donc. Oh, c'est divin. C'est bon, Babette. Mais déboîte ta blanquette, maman. Tu sais quoi, Babette? Tu m'aurais fait ça. Au début de notre histoire, je t'aurais posé les yeux fermés. Oh, dis donc, je me régale. Tu sais que c'est machiavélique, hein. Avec une blanquette comme ça, tu pourrais me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est la recette de maman. Mais en fait, elle osait pas te demander de venir passer quelques jours à la maison. Elle a eu un dégât des eaux dans son immeuble. Ça déboîte, hein. Allez. Tiens, je te resserre. Non, c'est... Ah, si. Non, mais y a pas un petit goût rance derrière? Non. Toi aussi, chérie, t'en veux un peu? Voilà.